Terminé pour faire changer les choses. Madame, c'est bienvenue à votre émission. On lève haute aux Alaranaïs. C'est mon mini représenté pour Nabi et surtout vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Comme actualité sociale, les Olobelatoukougi, pas au Kangama, beaucoup, on doit débattre cette actualité. Il s'agit bien de l'inauguration et un terrain Waya Waya construit, financé par l'honorable Jean-Marc Aboun, aujourd'hui incarcéré à la prison centrale de Makala. Inaugurant les samedis par le vice-gouverneur de Kinshasa, d'après ses cadres du parti de l'Alliance pour le changement. Y compris l'absence de Lelo dans la cour de cassation, il devait être attendu par les juges, mais a y été. Tu imites pourquoi, c'est quoi les raisons pourquoi il s'est absenté au cours de cassation, mais aussi sabotage de Salamina résidence privée Naye Yakingabwa par les milices envoyées par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, selon toujours le cadre il y a parti Alliance pour le changement. Sur ce plateau, nous avons un cadre remarquable et Alliance pour le changement. Il s'agit bien de Josine Djibou. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Bote na pesa, bote na batonyoso. Parce que, bah, tu as la vie, tu as Goma, Kalemi, Tanganyika, Lualaba, tu as Olomami et Sikanga na oti. Donc, on peut bien comprendre que vous revenez fraîchement de Olomami pour nous soutenir le président national Alliance pour le changement. Exactement, exactement. Tout justement, on va parler de la première thématique, inauguration et terrain Waya Waya. Financé par Jean-Marc Aboun, idée générale de Jean-Marc Aboun, mais inauguré par vice-gouverneur. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Merci beaucoup. Wana na zomo na neti sabotage. Sabotage? Sabotage total. Il y a moutou oyo, aza animé na mauvaise foi. Ondeko, Jekoko Mulumba, vice-gouverneur actuel. Il y a pouvoir actuel. Il y a Félix Antoine Tshisekedi. Parce que l'inauguration est ça la macandenge nini. Parce que ceux qui ont concevoir l'idée, au sali et loco. Et alors, sous Kanayango, ça la inauguration. Effectivement. Et comme alors, on l'a vu avec l'école Noya Salaki à inauguré récemment à Kisenso. Voilà. À Salaki, l'école Wana, à Kisenso. À inaugurer, à doter en la population. Parce que à ça, il y a un intérêt général. À doter la population. Stade Oyo, à ça, il y a un Kingawa. Et si on a dit Sika Boussoto, Sika Moko, Zama Kokite, tout le grand politicien, il y a un député, il y a un Sondola, Sika Wana. Mais il y a un Eli, et Sika Wana, il y a un Tuna. Denga Tienda Konaye, Oyo bazo lobela kaka pona mitema mabe ya bato. OK. Ba bazo ibambongo ya l'état ba ko ba tonga na étranger, ba mi ba na bango étranger, bazo ya bambongo bazo iba awa na pays na étranger. Mais yé, moi na mboka Jamal Kabund, azu mbongo na yé, o bazo futaka yé, na misalo yo zo sala atongi mboka et ndako na nini na Kingabwa. Alors tali peuple wana ya Kingabwa. Kuto za siège na été. Ba élire yé na nini wana té, ne sika wana té. Lui, il est député national. Il est député national. Élu de Mouamba. Élu de Mouamba. Tout justement. Alors, maintenant là, à récompenser le peuple de Kingabwa et Sika Azo Vanda pour co-valoriser Sika Yazali à Sali Stadiwana pour la jeunesse de Kingabwa. Alors, subitement, Nazo Yoka été inauguré. Et j'ai même passé là, Namonin de Kojikoko et Sika Wana na stade pour la inauguration. Et puis officieusement, parce que l'autorité n'a pas été quittée. Titulaire n'a pas été quittée. Mais si on comprend pas bien, monsieur Josué Ndjibou, oui. Le vice-gouverneur Azali, deuxième personnalité, il y a ville, province,
a deuxième personnalité à ville province il y a Kinshasa. Oui. Donc il peut toutefois engager la ville province de Kinshasa tant que deuxième personnalité ou bien deuxième citoyen il y a ville à Kinshasa. Vraiment. Il peut venir inaugurer terrain il y a football il a construit na province où il y a zo ko gérer. Où est le mal ceux qui vice gouverneur ko inaugurant. Merci beaucoup, il peut inaugurer ça. Mais parce que Jean-Marc Aboun c'est un député national. Merci. Moutar azo gérer province Ezali, je crois tant que deuxième citoyen à ville province de Kinshasa. Il peut venir inaugurer ça à tout moment quand il veut. Comme autorité urbaine, il y a ville à Kinshasa. Merci. Comment vous allez se sentir c'est mal à l'aise sur ça? C'est pourquoi on déplore la mégestion. La mégestion. Exactement. Et parce que y a ça là, dans le cas pont, wana, y a Jekoko. À ça là, quand pont, est-ce qu'en Dima, il y a quoi inaugurer pendant mon sous? Est-ce qu'en Dima? Et parce qu'il est gouverneur aujourd'hui, il peut se permettre de faire cela. Oh, ça, c'est un chantier. Stade ouan sur le talibien. Pour votre information, il y a stade ouan et y a, et où tu connais la migité. Ma kit, il y a stade ouan, et ça là qui n'en zéla, et si est commis à ou. Pendant une joie qui volonté, il y a un biloko wana a kombolango a ya ça la finissage ya biloko il prend seulement l'audace ya koya a inaugurer ça c'est la haine c'est la haine il a saboté notre peuple oh excellence Jean-Marc est en train d'honorer ozomona il a sabotage total et puis pour votre information encore monsieur les journalistes kota na stade wana tala ba wesenyo son ndenge baby ba baby c'est toute chose Zomona, c'est-à-dire il y a qui pour nakaka a saboté eloko wana oh il y a mutoki il y a excellence Jean-Marc Aboun. Est-ce que vous êtes sûr que financement il y a stade wana est financé par la personne de Jean-Marc Aboun ou bien financé par la République parce que Jean-Marc Aboun il fut premier vice-président de l'Assemblée nationale dans nos bémolements bah avantage étant que premier vice-président de l'Assemblée nationale même si bon wana t'es mutoki stade wana ou bien l'individu de Jean-Marc Aboun. Est-ce que sur l'Assemblée donc de financement est-ce que si le gouvernement peut financer l'argent pour quelques projets il peut donner à un premier vice-président de l'Assemblée. Mais c'est quelqu'un qui est engagé. Non, ça c'est une question, mon frère. À l'institution, il y a un mot. Exactement, il gère cela. Est-ce que le gouvernement, géré par Sam Alokonde, qui est le chef du gouvernement, s'il veut faire quelque chose, il peut donner au président de l'Assemblée? Non. Il a fait cela par sa propre volonté. Parce qu'il considère sa population. C'est pourquoi il a fait cela. Ce que Talibi, à Saliango, Kanamote, Mamala, Mounaye, il a doté Maï. Mais qu'est-ce que vous reprochez au vice-gouverneur? J'ai dit que je déplore ce banditisme, cet esprit de banditisme qu'a ce monsieur-là, soi-disant vice-gouverneur. Mais quand même, c'est... Non, là, j'ai ma cime, mon frère, j'ai ma cime et j'assume mes propos. Si cette fonction-là ne le mérite pas, il n'a qu'à démissionner. Parce qu'il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas faire cela. Quelqu'un qui a été élu légitimement. Élu, j'en disconviens pas. Il est élu, oui. Mais, et comment il peut exercer sa fonction? Et comment il peut faire les histoires pareilles hein? Et même là, mais il a vite compris que la personne qui a initié le projet, il est en Azan la position centrale à Makala. Exactement. Donc, pour vous voulez terrain et tirer Kangamati, Jean-Marc Aboun la Robima, pourquoi inaugurer terrain écoute, écoutez, mon frère, quand Kangama est présent, Jean-Marc, bon, na l'obélangote, mais vous me poussez maintenant à parler, c'est là. Vas-y. J'ai dit ceci. Vous êtes libre. Il est là, arrêté. Et je dis bien que le président Jean-Marc, il est prisonnier privé. Il y a Félix Tshisekedi. Oh. Ça, je l'ai dit. Comment ça? Et parce que, d'après ma compréhension, quelqu'un qui a insulté le président de la République. Ok, courage. Quelqu'un qui a dit des histoires qui sont fausses selon les informations qui nous parviennent. Comment vous pouvez dire que depuis quand on a compté comme il a prisonnier privé, il y a président de la République? Oui, ça c'est vrai. Écoutez, je vous montre les éléments. Vas-y. Aujourd'hui, là, le dossier Kaboun est vide. Est vide parce que quand on dit outrage envers le chef de l'État, c'est l'infraction. Ça devient l'infraction. Demandez à nos juristes aujourd'hui. Et là, c'est détruire et rabaisser notre justice congolaise. Parce que ce n'est pas bien. Hein? Si Kaboun aujourd'hui est en prison, tout le monde là, vous savez, même Namedi Rabinovozalaki, coup de cassation, a Bimissa arrêté. Il y a Kolobake, le président Jean-Marc Kaboun doit être en résidence surveillée, en étant député. Il est député national. Avec toutes ses humilités, aujourd'hui là, est en prison de Makala. Quel pays qui l'a fait? Quel est le pays qui a fait ces histoires? Un député en pleine fonction. Donc ce sont des violations et des violations des lois. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, Félix, qu'on croyait qu'il va instaurer l'état de droit dans ces pays. Mais ça, c'est un fiasco total.
Il ne devait pas accepter ces histoires. Mais le terrain en question dont vous déplorez le vice-gouverneur qui a inauguré, bon terrain, Jean-Marc Aboundou Mtapesi. Idée Jean-Marc Aboundou Mtapesi. Oui. Le vice-gouverneur a reçu le courage à inaugurer un dingue. Voilà, là aussi, on se demande, parce que on dit, là où il y a le fumé, il y a le fait. Vous savez, tant que nous avons mis l'ingézo bima ici, comme on est dans le monde, c'est-à-dire, comme à Sali Biloko, j'ai coco, à Sali est mon côté, il y a clic de mon côté. Merci beaucoup. Mais il y a des discussions internes peut-être inauguré cela. Quel est le budget et quel est le discours à faire? Il a fait quoi? Il a fait quel discours? Parce qu'il est incapable de le faire. Or, au stade où on a, ils en a coup. Elie Mbongo. Est-ce que Mbongo on a Jekoko, il peut nous étaler cela? Dire que stade où Elie Mbongo tel? Dépense ça mina na ça déjà autant il ne peut pas, il est incapable de le dire. Mais Sali Biloko on a monté maman bepo abebisa Biloko ils ont fait sa vision malam Biloko ils ont sa que population maintenant est tournée regarde naïe vers l'excellence Jean-Marc Kabound. Donc il veut que quand ça que Biloko ils ont pas effacé, mais c'est impossible pour le moment, c'est impossible. Jean-Marc Kabound absent dans la cour de cassation. Merci. Là, je serai incapable de vous déterminer parce que même moi, je viens à peine de quitter les cours de cassation. Ok. Vous savez, et là, et le quoi, qu'est-ce qu'on peut dire et l'audience, c'est l'audience, n'est-ce pas? Oui, oui. Et devait déjà commencer à 9h. Mais nous ne savons pas pourquoi ça traîne jusqu'à maintenant. Et si, et quoi, le prévenu n'est pas là, mais ça doit commencer. Ces avocats sont là. Ces avocats sont là. Ce sont capables de nous dire. Pourquoi? Et ce sont-ils capables de justifier son absence? Vous savez, c'est pourquoi je dis que je suis incapable de parler à cela, parce que je ne connais rien. C'est les avocats qui vont annoncer, n'est-ce pas, au juge que si notre client est absent, c'est suite à ceci ou cela. Jusque-là, les avocats n'ont rien dit concernant l'absence de Jean-Marc. Ils sont là, nous attendons leur sortie. Ils sont là, vous attendez leur sortie. Oui. D'après la communication signée cadre et Alliance pour les changements, la résidence privée de Jean-Marc Kabound a été sabotée, soit disant que le milice a été envoyé par les vice-gouverneurs. Bon, vous savez, c'est quelque chose qu'on est en train de déplorer encore, parce que dans notre pays ici, on ne croyait pas à des telles gymnastiques. Parce que si... cour de cassation, signe son arrêté et c'est connu de tout le monde, même la MONUSCO. Et si Kanyon Souana baillé bientôt, Jean-Marc Kabound est en résidence surveillée. Mais aujourd'hui, il se retrouve en prison centrale de Makala. Pour quelles raisons? Est-ce que le ministre de l'Intérieur a affaire dans cette histoire de la justice? C'est ce qui prouve qu'il y a la main noire. Et c'est pourquoi j'avais dit que Jean-Marc Kabound, il est le prisonnier privé. Il y a Félix Tshisekedi. Puisque le ministre là est géré par qui? Par son président. Comment vous dites que Batou a sali sabotage en Dakou et Jean-Marc Kabound, Baza Batou Moukatine Bango, vice-gouverneur? Par quel mécanisme vous avez identifié Batou Moukatine vice-gouverneur de Moukatine Bango? Merci beaucoup. Biloko y a sali wana, il s'attendait qu'il serait affronté par nous, les militants de l'AC. Parce qu'on n'était pas content de cela d'abord. On devait tout faire pour bloquer ce mécanisme. Comme nous sommes bien éduqués par notre leader, il nous a dit, vous les laissez faire ces bêtises. On a laissé ce monsieur, Jekoko Mulumba, de faire ce qu'il a fait. Et alors, lui avait préparé ces milices là-bas pour qu'il y ait affrontement, pour qu'il y ait quelque chose où Tianini, leader Nabiso. Et alors, Tango Zangi, alors il a préparé encore un autre mécanisme. A Tindi Batoua Naboy. 19h20, mon frère. Quand même, le domicile, donc le domicile est privé, sacré. Tu ne peux pas entrer dans la passée d'autrui, ou soit tu es à un milieu d'autrui, dans la nuit. Dans la nuit, tout le monde est suspect. Bah, toi, na baillé, baillé na bapiné, tango bazouya. Baillé, avant d'entrer à la résidence privée, il y a présent Jean-Marc, bah, tombi bapiné. Bah, pas jusqu'au coup, boire, kamabanga na lopango. Et alors, quand vous voyez, il y a des vidéos qui circulent. Mais la question est de savoir comment vous avez pu identifier que ce sont les gens envoyés par les vice-gouverneurs. Merci beaucoup. Vous voulez savoir comment on a découvert cela, n'est-ce pas?
Parce qu'avant, ils allaient que Jean-Marc Kabound était dans la milice de Kingabo. Il est commis vice-gouverneur. Parce qu'ils ont prouvé cela. Ils ont prouvé comment cela. Vous avez prouvé cela que c'est le vice-gouverneur de Mtati? Oui, oui, il l'a fait parce que c'était cela. Il y a d'abord des menaces que lui continue de faire lui-même. Vous savez? Et d'abord, même quand lui me venait, il est arrivé à 20h, là, tout près de la maison du président Jean-Marc Kabound. Et si c'était écouté... Le vice-gouverneur, il reste à Kingabo. J'ai dit ceci. Il peut passer par... Vous pouvez passer à cette heure, pourquoi? Et puis, pendant que l'événement se déroule. Donc, il est arrivé pour s'enquérir si la mission est accomplie. Hein? D'abord, on gagne les lacs qui pendent. Ceux qui tango bateau, ils sont au président. Moutouana, yo, yo, ça. Ceux qui n'ont pas de mon acquis, boyé, mon frère. Ça devait être grave. Hein? Ça devait être grave, ça devait être grave, président. On devait dire déjà, parce que j'avais aimé que notre jeunesse là qui ont vu Jekoko, hein, quelqu'un, il ne respecte même pas sa fonction. Ce qui a banda koto, ça peut être qu'il est qui, hein, dans cette ville de Kinshasa, il ne devait pas faire ces choses. Donc, ça. Si on comprend bien, vous avez identifié ces milices parce qu'au moment où il cortège, il y a vice-gouverneur, il y a quelqu'un qui là, voilà. Automatiquement, vous confirmez que non, je n'ai pas dit du cortège. Quand j'ai dit que. Et Jekoko, après tout, le vice-gouverneur Otambola est mon côté quand même. Moi, quand vous voyez le vidéo qui c'est qui là, il y a eu des échanges. Il y a des gens qui nous jetaient de pierres, n'est-ce pas? Mais quand même, ces gens-là, ce n'est pas des gens de Jekoko. Maintenant, ces gens-là, ils sont venus d'où? Ils sont venus d'où? Ce qui est le lobby, c'est que c'est ce qui est. Et puis lui-même, moi, je suis en train de vous rassurer que Yemoko Bouye, Aleki. A Bambi Libanga. Non, non, je n'ai pas dit qu'il y a Bambi Libanga. Mais comment vous confirmez que Bambi Libanga. En pleine action, n'est-ce pas? Hein? En pleine action. Et Zoleka, n'est-ce pas? Batouane, il y a une résistance. Il y a une résistance. Entre nous, les Pro-Kabound, nous, les gens de l'AC, moi, militant de l'AC, qui a essayé de résister, et les gens que Jekoko a envoyés. Il y a eu des gars, mon frère. C'est qu'on veut savoir. S'il y avait la police, n'est-ce pas? Et sous Siat, hein? Dans la sous-Siat, il y a Kingabawana. Bah, il y a Kosa Lanini, intervention. Bah, Betty Lacrimosa, pour qu'on pense avant tout. Mais c'est ce qu'on veut savoir. Et comme... maintenant, après cela, lui-même, là, pour s'enquérir de la situation, a eu l'audace de venir faire le tour là. Mais c'est ce qu'on veut savoir. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit qu'il était dans son cortège, non. C'est ce que Biango Bisto Lintoye, Baba, téléspectateur, Baba Talabiso. Plus de 100 000 téléspectateurs, Baba Talabiso. Ok. Vous êtes sur Congo Live Télévision, soyez clair et direct. Oui. Comment vous avez pu identifier que Batouan a battu Jekoko? J'ai dit ceci. Parce qu'un vice-gouverneur, Rosa la ministre, n'est pas pour attaquer un député, résidence privée, un député national, qu'on se le dise quand même. Bon, ce qui est, au Lingisco, défendre. Non, on ne défend pas. On pose la question de savoir. Parce qu'il faudrait identifier réellement. Parce qu'à l'époque, on parlait que Jean-Marc Kabound, Asalaki Milice, pour nous, on n'a jamais eu le preuve palpable que Zaki Milice, c'est Jean-Marc Kabound. Ah, merci beaucoup. Donc à l'époque aussi, on pouvait dire que le journaliste a défendu Jean-Marc Kabound. Pour nous, je sais que pour nous, vous avez eu toujours besoin de preuves. N'est-ce pas? Allez-y. Oui. Pour nous, vous avez toujours eu besoin de preuves. Pendant que lui, quand il fait cela, personne qui le demandera de preuves. Et or, je vous dis, c'est sûr que nos juristes et nos avocats ils vont déposer le plainte. Oui, vous allez déposer le plainte contre un inconnu. Pas inconnu. Contre qui? Contre Jekoko. Mais comment expliquer? Merci, vous verrez. Non. Vous allez, parce que lui là, lui-même en personne, est en train maintenant de s'attaquer contre nos membres. Lui-même comme ça en personne. Hein? Il y a notre membre qui est attaqué par Jekoko comme ça en face. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire par là? Si lui prend cette audace, pendant que vous ici, vous pouvez dire que vous êtes en train de voir sa qualité là, dire qu'il ne peut jamais faire cela. Mais c'est grave. Il est vice-gouverneur de Kinshasa. C'est vous qui l'avez dit. Reconnu par l'État congolais, par la Constitution de la République. Même moi, je le reconnais. Vous savez? Et l'honneur là que je l'ai donné. Hein? Par ces actes, je ne peux plus. Par ces actes, je ne peux plus. Hein? Et pendant que, surtout qu'il se donne l'audace de faire cela, plus de nos membres, que lui-même. Ok, alors c'est un peu cela. Les Kambo Kolobaete, Toye Bindengenini, il y a ça, les préparations, il y a l'inauguration, il y a le stade, il y a ça là. Parce que, tant que ça,
atisiko batunaye il s'est bien préparé koloba été assez bakolo eloko oyo au Jean-Marc azo sale la population pas doté bango bakoya pour bakondimater des fêtes omoni a préparé sikoyo batwana pour qu'il y ait l'affrontement vous savez a préparé batwana alors tant qu'il y avait rien il n'était pas du tout à l'aise bon, nous dans l'ignorance qu'on avait été subitement on voit déjà le fait na bisika na pas ya président Jean-Marc mon frère atayumoko atayumoko pokolobani nous jusqu'à là on ne comprend pas pourquoi le vice-gouverneur aurait inauguré l'Oyatongité bon. Mais étant que vice-gouverneur il peut venir inaugurer ça s'il était en contact avec Jean-Marc exactement Amour. Voilà peut-être il est en contact avec Jean-Marc Amour, sans pourtant vous merci vous au courant merci mais... S'il en est ainsi, sans problème. Puisque Ndenge Yaza, vice-gouverneur, il est l'autorité, c'est bien. Ce qui a zélé. Et surtout, au-delà de vice-gouverneur, il est député provincial élu de Kingabou. Est-ce que si le député national offre quelque chose à sa population, il peut appeler un député provincial pour venir inaugurer? Ça ne se fait pas comme ça. Et en étant premier vice-président, quand il était d'abord à l'exercice, n'est-ce pas? Et il savait qui devait inviter. Est-ce que dans la logique des choses, un député national qui retourne à terrain au football? Oh, mais pourquoi pas? Mission Azana Ngoezani. Tango Boye Azana Nini, Namanda. Mission Nayezani. C'est ça que vous proposez. C'est ça qu'Alia Mbongo, hein? Dengue Bazo Lia Bambongo Awa, Netinguba, Alia Kaesili. Ako Kansela Pe Peple O et Pesie Nini, pouvoir Wanate. Voilà les mal. Vous savez? Voilà le mal. C'est-à-dire, ce monsieur qui est visionnaire, t'as la caniveau à Saliwana na Kingabo. Hein? T'as la caniveau à Saliwana. Bozomonat. Makadamo a tié wana boye. Bozomonat. Alors, dans tout cela, ça prouve que ce monsieur qui a la volonté d'aider notre population, il est le seul personne qui a la volonté d'aider cette population. Et qui va sauver ce pays, ça je vous rassure. Il va sauver ce pays par quel mécanisme? Merci. Par quel moyen lui qui est en notre prison? Parti ici, AC, n'est-ce pas, alignera le candidat à toutes les échéances. N'est-ce pas? Et l'AC nous donnera quelqu'un potentiel, nous donnera quelqu'un qui aidera ce pays. Où on est avec la décision finale? Décision finale. Il y a parti ou soit il y a assez ou soit décision finale, il y a un regroupement. Mais tu as une décision finale avec Jean-Marc Aboun? Non. Non. Structure morale décision finale. Merci beaucoup. IDPES, notre ancien parti, et Zala qui n'a pas structure rebellée. Et n'est-ce pas? Oh, ils ont accompagné les leaders politiques. Ce qui est décision finale et accompagné qu'à présent Jean-Marc Aboun. Et Zala qui est parti politique était? Ça, c'est un. Tout ça qui n'a pas soufati. Tout ça qui n'a pas soufat. Tout ça qui n'a pas M2K. Tout ça qui n'a pas faux fat, il y a un peu de temps. Donc, tout le monde est félicité, c'est qu'il est présent à un parti politique. Na si Kabunda a son parti, c'est parce qu'il a été radié au parti à l'IDPS. Mais comme c'est un monsieur visionnaire, il ne devait pas rester comme ça. Il croit seulement le bras pour regarder seulement le bêtise qui se fait au pays. Non. Il doit chercher quel mécanisme maintenant il va orienter les histoires dans ce pays. Donc, qu'est-ce que vous pouvez demander au vice-gouverneur en ayant inauguré le terrain? Non, non. Je le respecte beaucoup et je le dis aussi qu'il s'arrête à souiller sa personnalité. Puisque ça sera la honte totale. S'il continue à faire ses soins comme ça, ça ne sera pas bien. Je le conseille parce que c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Parce que Nayoko, il y a un homme qui a part le temps où il y a un stade de Nathalie ou Namonie, quand c'est ça, je ne sais pas qu'on parle. Mais je le conseille que abattez la penda pour voir la poste de Nazanango. Il y a un poste de Moko Yamutuya fort. Abatte l'angon en denga bien, atika biloko, ils en étaient, et loko moko ya ben, ils ont pesa koutou l'ingité, aux omona, et loko wana penda, si il connaît bien grandeur et la fonction à Zoasime, atika biloko aboui, bazo se kaye, koutou bato, ya pepe de tobingana na pouvoir wana boui, tango bazo mon biloko sa, bazo se kaye, batalia, batalia kezo, c'est immature. Vous avez toujours l'espoir que Jean-Marc Aboun sera libéré? Il sera libéré bientôt là. Je vous rassure, il sera libéré. Il nous rassure, il s'agit bien de Josué Ndjibouile, interfédéral, il y a Alliance pour le changement, Olomani.
qui a fait le déplacement de l'Omami pour Kinshasa uniquement pour soutenir son président, Jamar Kaboun. Peu importe nos divergences, on est tous congolais. On se le dise. Au revoir. Merci. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова